Salut à tous, je m'appelle Rizou et je vais commencer mon tout premier let's play sur le jeu Poudragon. Donc voilà, je me suis mis à commencer un let's play et tout, parce que à force d'en voir des let's play que les autres en font et tout, ça m'a motivé à en faire et faire partager des jeux que j'ai et vous les faire découvrir quoi. Donc voilà. Donc voici notre petit héros qui est en train de faire sa sieste. Mais d'un côté il a raison, faire une sieste avant commencer une longue aventure, ça fait du bien. Même beaucoup de bien. Enfin voilà. Donc on va commencer cette petite aventure en petit marchant un peu. Voilà, petite cinématique. Depuis 10 ans, chaque année, des nuages pourpres obscurcissent le ciel. Et ce village est frappé par des catastrophes. Donc voilà, apparemment on commence à jouer cette personnage âgé. Donc on va aller parler aux autres. Fushira, arrêtez mon mari, il veut aller et combattre le requin terrestre. Non, ma maison, lâchez-moi. Ne soyez pas bête, si vous y allez maintenant, vous serez mis en pièces. Ouais, là c'est sûr. Esprit de la terre, épargnez-nous ta colère. Ok. Ouais, vas-y, continue à prier, ça va servir à quelque chose. Fushira, du calme, en ces temps-nous, les anciens, devons montrer l'exemple. Shu a disparu, comment voulez-vous que je sois calme? C'est à vous de vous calmer. Ouais, je dirais l'inverse. Ouais, Fushira, cette année est aussi mauvaise que les autres. Baruto, tu as vu Shu? Ton petit gars? Non, va donc demander aux autres. Visiblement, il n'y a personne ici. Tout le monde est parti. En fait, je ne trouve pas Shu. Shu? Il n'est pas par là. Interroger les autres. Ok, merci. Voilà 10 ans qu'on endure cela. Vous avez vu Chou? Chou? Pas depuis qu'il est parti avec Giro. On doit tenir bon, le requin terrestre finira bien par partir. Vous avez vu Chou? Votre petit-fils? Non, Giro a disparu lui aussi. D'accord. Il s'inquiète pas plus. Bon. Combien de temps cela va-t-il durer? Oui. Imitation mon petit cousin qui vient de naître. Oh pardon, j'ai fait peur au bébé. Ce n'est rien, Fushira, j'ai entendu que Chou avait disparu. Je parie que Chou est bien caché, ne vous inquiétez pas. Le requin terrestre n'aura pas mon bébé, je le tiens bien. C'est bien.
Il ne reste plus rien. London, soyez fort pour vos petites. Oui, il faut que je protège ma famille. Ah, ça commence. Dis donc, Fushira, ce serait pas ton petit gars, ça? Moi? Joue! On peut jouer. Donc, en fait, il veut battre un requin en pierre avec une épée. D'accord. Ok. À toi de jouer, Chou. Je suis prêt. Tout se passe comme prévu. Ok, c'est parti. Tiro. Mais qu'est-ce qu'il fait? Maman, papa, regardez. On va la voir, ce requin terrestre. Tu as perdu la tête ou quoi? Non! Reviens! Tu ne fais pas le poids contre ce monstre! Chou. On fait pas le poids, hein? Ça, y a qu'une seule façon de le savoir! Donc voilà, apparemment on commence notre premier combat. Il commence bien. Il y a une attaque. Et comme je disais, une épée contre la pierre, ça sert à rien du tout. C'est continuer, pas le choix. Bon sang, c'est dur comme un roc. Chou, vise le point faible à gauche. Ça c'est un point faible. D'accord, tout qui est ici, mais c'est un point faible. Ah, mais il fait un peu plus mal. Il faut s'en tenir au plan. Je t'abandonnerai. Ne reste pas planqué là, sauve-toi. Ce n'est pas avec cette petite épée que tu te débarrasseras de lui. Sauve-toi, Chou, sauve-toi. Eh ben, il a eu chaud. Encore épargne d'abord Giro. Chou, il faut suivre le plan. Passe devant et attire l'attention du requin terrestre. C'est risqué parce qu'il va falloir t'attaquer, mais tu peux y arriver. Ok, laisse-moi faire. On fait quoi de pour Cloquet? Reviens ici, Cloquet. Je te sauve la vie et toi tu me cries dessus? C'est dangereux par ici. Je veux venger mon père et ma mère. D'accord, bon bah apparemment on est reparti pour aller chasser le requin terrestre. Eh, viens ici mon petit. Ah, il a peur de nous, requin ou quoi? Eh, viens. Bon. Ah, voilà. Il arrive. Compris. Je suis prêt. Il y aura des ailerons de requin au menu ce soir. Donc voilà, apparemment on a piégé le requin terrestre. Merci Chou, je parie que mes parents applaudissent de là-haut. Bravo. Tu as réussi Chou, essayons de savoir d'où est venue cette chose. Ouais bah il vient de sous terre à mon avis.
Alors, le requin, c'est vraiment une vieille machine ? Jiro ! Clouquet ! Où sommes-nous ? Ça va pour vous, les gars ? Je crois que oui. Et le requin terrestre ? T'inquiète, on dirait qu'il est cassé. Chou, ce ne serait pas... Les vieilles ruines. Les vieilles ruines ? Ouais. Jiro et moi, on vient tout le temps ici. On a fabriqué le filet à partir des métaux qu'on a trouvés. C'est vrai. Hé ! Mais c'est interdit d'aller dans les ruines. Bah ouais. Jiro, à force de traîner avec Chou, un jour tu vas finir par te faire tuer. Peut-être. Mais on voulait éliminer ce requin terrestre. On a fait ça pour toi. Hein ? Je veux dire, toi et les autres villageois, vous avez perdu vos familles à cause du requin terrestre. Et je me suis dit qu'on ne pouvait pas continuer à fuir éternellement. Chou n'a rien à voir là-dedans. C'était mon idée. Désolée, je ne voulais pas te blesser. Mais si ce que tu dis est vrai, alors j'aurais voulu être là depuis le début. Peu importe. À nous trois, on l'a eu, ce maudit requin terrestre. Enfin, pas complètement. Je pensais avoir tout prévu. Clouquet, remue pas le couteau dans la plaie. Pardon. Jiro, on est venu aux ruines plein de fois, mais jamais ici, pas vrai ? Oui, mais ça ne m'étonne pas. Il y a des tas d'endroits où on n'est jamais allé. Jiro et Clouquet ont rejoint l'équipe. Ah bah enfin ! Le chou, le pauvre, il faisait tout seul. Enfin, presque. Donc voilà. Bon, bye. On va attaquer les monstres, on va récupérer les coffres. Donc il voulait s'attaquer à un requin en pierre et en plus en acier en dessous. Avec une épée. Ouais. Bon, on va attaquer. Ah, oui. Bon, avec les armes sont bien. Des cailloux. Classique. Ouais. Ah ok les alliés. Oh là, comment c'est pas. Personne d'autre t'aime lui. Ok, le pauvre, il est seul au monde. Pauvre petit serpent. Oh, j'ai de la peine pour lui quand même. Se faire rejeter par ses alliés. Comment ouvre le... C'était quoi ça? Un monstre comme j'en ai jamais vu. On est vraiment trop loin, non? On ferait mieux de trouver une sortie. Voilà. Donc allons ouvrir le coffre. Cristal lumineux. Ok. Allez, on va se frotter à ce petit monstre là-bas. Boum ! Ouais, on va se faire un coup de caillou. Et un coup de petit couteau. Raté. Ok, alors non seulement quand ils appellent leur ami, et bah, ils sont seuls, mais en plus ça rate leur coup. Tu m'étonnes que personne vient les aider. Ouais, voilà, alors, on ouvre le coffre. Un remède. Ok. Ah, un coffre bleu. Enfin, un coffre enveloppé de tout bleu. On va voir c'est quoi. Jiro, tu sais ce que c'est? Je sais pas trop, je n'ai jamais vu rien de pareil. Jiro, on doit d'abord partir d'ici. Oh, oui, désolé, Clouquet. Ok. Ouais. Ah oui, on peut vraiment pas... Bon, on ira voir ça plus tard. Hein. Bon, en ce temps, on commence, on n'est pas pressé, on a tout le temps.
trouve, faut un truc pour désactiver le truc. Enfin voilà. Allez, encore un autre combat. Quand il se la pète avec son arme, le serpent. Enfin, moi je me la pète moins avec une caille. Ah ok les amis. Ah oui, ils ont vraiment pas d'amis quoi. Oh les pauvres. Allez, on va le laminer. Gentiment à coup de caillou. Ah voilà, voilà le coffre. Enfin, peut-être d'aller dans le bon sens aussi. Remède, encore un remède. Donc ça c'est quoi ça? Ah ok, ouais, c'est pour sauvegarder. Je sauvegarderai plus tard. Alors voilà, ah, une porte bleue, et on va d'abord aller là-bas. On sait jamais s'il y a un coffre. Comme ça veut toujours servir. Il est un peu long le chemin. Ils auraient pu faire un chemin plus court, ça m'aurait évité des minutes de marche. Oui, je sais, vous allez me dire que je suis feignant, mais bon. Voilà. Après, il faut refaire le chemin pour retourner là-bas. Allez, on ouvre le coffre. Bracelet en pierre. Ah. Pour équiper les accessoires, ouvrez le menu principal et sélectionnez accessoires. Sélectionnez un personnage pour le doter d'accessoires. Sélectionnez un créneau d'accessoires. Trouvez les accessoires disponibles pour ce créneau s'affiche à droite de l'écran. Sélectionnez accessoires disponibles pour le créneau d'accessoires. Votre état d'actif et la différence une fois l'accessoire sélectionné et équipé s'affiche en haut de l'écran. Ok. Les effets de l'accessoire sélectionné s'affichent à droite de l'écran. Pour équiper l'accessoire sélectionné, choisissez OK. D'accord. Ouais, accessoires. On va l'équiper à chou. Bras. Ah ouais, ça augmente quand même 10 points d'attaque. C'est pas rien, je trouve. Allez. Oui. Je sens que les serpents vont vraiment avoir mal. Très mal. Enfin, j'espère. Pour l'attaque en plus, c'est censé faire mal. Bon, on va tester ça bientôt. Enfin, s'il reste des serpents. À mon avis, ouais. Voilà. C'est long, toute de marche juste pour un coffre. Pour un bracelet en plus. Bon, ça vaut le coup pour embrasser quand même. Encore avoir vite fait ces petites portes bleues. On dirait de la gélatine bleue, je sais pas quoi. Un hologramme gélatine bleue. Ouais, ils ont créé un putain de mélange en fait. Voilà, voilà, il y a un coffre. Et un serpent, bah tiens, on va tester notre bracelet. Voilà. Attaquer. Effectivement, ça fait beaucoup plus mal. Ça le tue d'un coup. Ouais. Ça me va. On ouvre le coffre, comme d'hab. Herbe épineuse. D'accord. Ah. Un coffre qui est apparu. Ok, bon, allez voir ça après. Un autre truc long à monter encore. Il nous met encore des longs chemins à monter. D'abord, aller à gauche. De gauche à droite. Voilà, avec des débris. Et... que des débris. Puis sur A. Ah, on ramasse quand même des objets. Ok, ouais, bah tiens, on va fouiller. Enfin ouais, si chaque objet, il y a un truc... Ouais, je vais pas m'amuser à tout ramasser. Parce que sinon, on va perdre du temps. Et ça va être long, surtout pour le peu que je ramasse. Enfin voilà. Donc là, ah tiens là-bas il y a un coffre. Ah bah c'est là-bas qu'il fallait monter. Je suis con moi. Ouais. C'est long le chemin. Juste pour un petit coffre. J'espère qu'il y a un truc bien. Colis en pierre. Ah bah c'est les plus longs chemins que j'avais pu... objets les plus intéressantes. Allez, on va mettre un gyro. Colis en pierre.
Ah, ça augmente 10 points de défense. Ouais, c'est bien. Au moins, il aura moins mal. Logiquement. J'espère pour lui. Enfin, voilà. Bon, allez, on va retourner à notre coffre. On va y découvrir ce qu'il y a quoi dedans. Bon, vu qu'il est apparu, ça peut être quelque chose d'important, je pense. Voilà. Bon, pareil, si je vais pas au bon endroit, ça va pas s'ouvrir. Serre de Phoenix. Ah, ça va être une cible de tout pour citer les autres. Ah. Qui sait? C'est peut-être la base secrète du requin terrestre. Base secrète? Dans les airs? Faudrait mieux faire gaffe alors. Vous deux, restez près de moi, ok? Quel frimeur. Bah non, je frime pas. C'était quoi ça? Survalez ton langage, microbe. Zabo, ça suffit. Ces gens sont encore nos invités. Nos invités? C'est moi qui les ai invités à venir ici. Toutes mes excuses, Excellence. C'est qui, toi? Il n'est pas étonnant qu'ils soient si insolents. Ce sont des enfants. Il suffit. Un tel comportement n'a rien de surprenant de la part d'un enfant. C'est toi qui dirigeais le requin terrestre? Le requin terrestre? Le requin terrestre? Alors c'est comme ça que vous l'appelez dans votre monde? Eh bien, j'imagine que vos rencontres annuelles avec ce requin terrestre ont dû être très divertissantes. Fumier!
Voilà, c'est quoi cette chose? Il a plus nourri. Enfin, il nourrit. Enfin, il se moque de nous, quoi. Voilà. Eh? Ok. Ouais. D'accord. Ok. On va attaquer. Allez. D'accord. Ok. Bon, ça fait rien. À côté, je l'ai dit, hein, les couteaux des pères, c'est pas efficace, hein. Ouais, je crois qu'on pouvait rien faire du tout en fait. Vous êtes pathétique. Il n'y a aucune lueur d'intelligence dans vos yeux. Aucune ? À quoi vont-ils bien pouvoir nous servir ? Pouvoir servir ? Chou, ça va ? Reste avec nous. Ça va. J'ai rien senti. J'abandonne pas. Tu contrôlais le requin terrestre. Alors c'est toi qui as tué mon père et ma mère. Pourquoi vous en prenez-vous à notre village ? Je voulais entendre vos cris de douleur. Ne te moque pas de nous. Ordure ! Sabo. Nous en avons fini. Emmène-les. Emmène-les ! À vos ordres. Je sais, c'est parce que j'ai dit que j'abandonnerai pas. Laisse tomber! Aide-moi! Ok, bon. Apparemment, nous sommes toujours dans la faute résonante. On va commencer à ramasser les coffres. C'est bizarre ça. Ils nous éjectent pour nous faire voler, pour qu'on revienne dans la faute résonante. Bah, c'est déjà bizarre ce jeu. Enfin bref, on va se poser des questions, on va ouvrir les coffres. On va avancer dans le jeu. Ah, collier en pierre. Alors, accessoire. Bon, elle va mettre la pauvre cookie. Elle a rien encore. Allez, un joli collier, on t'offre. On aide. Et voilà. Bon, alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ça? Confiance ? Avalez les sphères lumineuses. Allez, viens, montre-toi ! Quelque chose approche. Ok, je crois qu'on n'est pas le bienvenu, je crois qu'on a intérêt à se barrer, je crois qu'on a piqué un truc qu'il fallait pas. Allez, on va se barrer. Allez, putain, marque pas. Grand coup. Cours, chou, cours. Allez.
Aidez-moi à fermer cette porte. Ok. Allez, hop. Putain, la fin de la barre, elle a du mal. Hein. Allez. Ah, il se met au doigt. Allez. Putain de robot qui est entré. Bon, on va faire sa peau. Enfin, espérons qu'ils sont pas très forts. Attaquer. Déjà, si je fais pas mal, ça va pas avancer. Soit, heureusement que Chou est là. Enfin, heureusement que son bracelet est là aussi. Bon, avec les autres, avec les cailloux, ils ont pas avancé grand chose. Hein. Allez. C'est bon. Ah, maintenant, on va refermer la porte là. Ah, level up. Au 2. Ok, j'ai juste 8 secondes de plus. Enfermé. Bien sûr. Ok. C'était moi une. Avaler les sphères. Ils peuvent la transpercer. Ils savent pas quand s'arrêter, hein. Hé hey, on dirait le requin terrestre. En miniature. On pourrait peut-être s'en servir pour sortir d'ici. Comment ça marche, ça? On improvisera. Et si on n'y arrive pas? Avaler les sphères lumineuses. Encore toi? Qui que tu sois, tu pourrais pas nous aider au lieu de nous observer? Je ne peux pas me montrer pour le moment. C'est pas très rassurant. Le temps presse! Avalez les sphères. Ensuite, vous pourrez contrôler le mecha. Vite. Ok, essayons! On n'a pas le choix. Hé, voix mystérieuse! S'il nous arrive quelque chose, ce sera ta faute. Allez, c'est parti. Avaler les sphères lumineuses. Oui. Et c'est parti. Je vais mourir. Ça fait mal. C'est pas bon signe du tout. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je sens qu'on va se les faire. Bon, on va tester nouveau. Ah, les PV ils ont augmenté d'un coup. Les PM aussi. Et on dirait ils sont plus classe. Voilà, ils font pas mal déjà. Et là je fais. Oh mal. Mon ombre est. Ah ouais, ça fait beaucoup mal quand même ça. Bon bah je pense que. C'est mieux que des cailloux. Bon. Ouais. On va se barrer. Oui, on va se barrer. Attends. Ils sont où? Ouais, ils avancent. Ouais, on va partir. Chaud devant.
On vole vraiment? Je crois bien. Ça va, les gars? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah! Cloquet! Hé! Mon bras ne me fait plus mal! Il est guéri! Merci, Jiro! Qui? Moi? Ouais, toi! Tu l'as guéri avec cette ombre bizarre! Alors, ça doit être de la magie. On dirait bien. Je me disais qu'il fallait trouver un moyen d'aider Cloquet à guérir rapidement de ses blessures. Et mon ombre est apparue. C'est comme si mes pensées s'étaient transformées en pouvoir. Alors tes pensées se sont transformées en ombre et en énergie? Ça doit être ça. Ce pouvoir est peut-être lié à ce qu'on ressent. Qu'est-ce que j'ai soif? Chou, il y a une cascade là-bas. Oh. Ah ouais, ils ont vraiment soif. Écoutez. Là d'où ils viennent, il n'y a pas vraiment beaucoup d'eau, j'ai l'impression aussi. Alors, on a ces coffres. Alors, encore un remède. Ah, il y a encore plein de coffres ici. On va ramasser les coffres avant de terminer l'épisode. Parce que ça va bientôt faire. Ouais, ça fait un petit moment que j'ai commencé l'épisode quand même. Bon, ouais, on a bien avancé. Donc, il y a des coffres. Antidote. Ah, peut-être qu'on va se faire empoisonner. Du coup, bi. On verra plus tard c'est quoi ça. Voilà. Bon. Allez, on va la cascade. Vous avez bu de l'eau. Wow. Apparemment ça régénère. PM et PM à ta vie. Ça fait du bien de boire un coup. Je sens un pouvoir magique comme avant. C'est vrai, c'est vraiment étrange. Bon, maintenant qu'on se sent mieux, dépêchez-nous de rentrer au village d'Alta. Super. Bon. Allez, on va se regarder. Donc, voilà, je vais finir l'épisode ici. Donc, j'espère que mon premier épisode que j'ai fait vous a plu. Donc, si vous avez adoré, si vous voulez me suivre, bah, abonnez-vous à ma chaîne. Et laissez un petit pouce vert, juste pour me faire plaisir. Bye. À la prochaine.